Et nous revoilà sur le stream. Comme d'habitude, on oublie le chien dehors, ça passe mal. On va tenter de vous faire plaisir avec un petit Forza Horizon 3. Je vous laisse un petit peu le menu maintenant que j'arrive. Hop. Nous voici le voileau qui est en train de se reprendre. Eh, dans ton live, on a l'impression que t'es en train de pisser. Mais non, mais non, mais non. Je ne fais pas. On va démarrer. On est parti. On démarre la démo de Forza Horizon 3. Luminosité, moi je la monte. Plus. La luminosité. Au cas où quelqu'un voudrait s'amuser à relire si je parle en même temps. Juste dans le doute, hein, parce que. Parler sur un jeu où il y a tellement de décors sympas à regarder, c'est compliqué. C'est ça que je surkiffe dans Forza Horizon, là. Quand j'ai fait tout à l'heure la démo, là, franchement, j'ai perdu du temps à regarder les décors. C'est putain de bien travaillé, franchement. Chapeau, les gars, chapeau. En même temps, hein, il n'y a plus rien à leur apprendre à cela. Hein. Ils savent tout faire. Niveau simulation, il y a peut-être un tout petit peu plus technique sur certains autres jeux, mais... sur l'aspect global du jeu, Forza il enterre tout le monde quoi. Ah mais gros, après tu veux un vrai jeu de simulation, tu vas jouer à Forza 6 quoi, tu vois. Oui, mais après il y en a qui disent que par exemple Project Car dépasserait Forza 6 au niveau de la simulation. Et que Assetto Corsa dépasserait peut-être les deux, tu vois. Donc, je sais pas, vu que je joue pas vraiment sûr. La simulation. Assetto Corsa, c'est sûr. Et après à côté de ça, Forza il donne tout ce qu'il faut quoi. Le truc c'est qu'en fait t'as eu Assetto Corsa, c'est ceux qui font des simulateurs. Salut. Des simulateurs, ouais, c'est de... Kera. Le nouveau boss est déjà sur place. Des on se met en route tout de suite. D'accord. Donc avec un budget un peu plus élevé, hein. Ok tout le monde, gros, Horizon Australie commence aujourd'hui. On doit livrer ses voitures sur le site du festival de Byron Bay. Ah mon gars, moi ça c'est détail. Hein. Oh. Si je pouvais, j'irais un peu plus loin que la mini-mol, quoi. Salut à tous, ici Scott Tyler pour vous accompagner. Nous sommes en direct d'Horizon Australie. Bonjour, Gorby. Après avoir parcouru la moitié de la planète, nous voilà enfin arrivés. Il suffit d'un seul coup d'œil par la fenêtre pour tomber en extase devant les plages. Je vous le dis, l'hémisphère sud, c'est trop cool. Même les plus difficiles seront pas déçus. C'est grand, c'est plat, et les routes qui s'étendent de part et d'autre nous ouvrent les bras. Au programme, vitesse, musique de guedin, chaleur estivale, course à toute plein. Voiture de collection. Journée palpitante, journée hallucinante. Comme brûlée. Soirée de ouf, il faut une surprenante. Ça déchire grave. Alors ne loupez pas ça, venez avec nous, appuyez sur le champignon et précipitez-vous en Australie pour participer au festival le plus grand et le plus déjanté de toute l'histoire d'Horizon. Tu vois, c'est bizarre, hein, parce que... Ah non, c'est bon, ça bleu, maintenant. Bon, bah voilà. Petite présentation de Forza Horizon 3. Non, je pense que... Alors, comme j'ai remarqué tout à l'heure, je trouve que la vitesse n'est pas dégueu, mais contrairement à Forza 6, il est beaucoup moins bien rempli. Il manque pas mal de détails. Bon, c'est une démo. Ils vont travailler plus tard, on n'en sait absolument rien. Et ça commence mal. Allez, on va s'en concentrer un petit peu. Mais bon, moi dans Horizon, contrairement à Forza 6, je joue pas vraiment au vieux habitacle. Je veux profiter du décor. C'est pas le même travail de sensation. Sur Forza 6, tu prends moins de l'impression de vitesse, tu prends léger, ce que tu veux. Horizon, c'est de la balade. Ah, c'est sûr. Super bien travaillé. Hors de mon chemin! J'ai 800 chevaux avec moi et je n'hésiterai pas à les utiliser!
Après, c'est pas le même travail. La révision des freins, Warren. Je t'ai laissé ce truc pour faire la révision des freins. Salut, Kara. Qu'est-ce que tu racontes? Un problème avec les freins? On rejoint Byron Bay par la Great Ocean Road. S'il vous plaît, ne faites rien de stupide. On va passer 2 heures en bobiné. On va rapporter les bobines là-bas. On va passer 2 heures en bobiné. En plein stream, quand même. On va aller du direct. Un petit coup la flotte pour vous. Ah bah alors, un tout petit coup alors. Là par contre, boss, la presse locale voudrait une photo. Allez, un petit effort. Ok, et ah, je sais plus. Tu veux que je t'appelle comment? J'ai bien aimé, ouais. On va dire que c'est ce qui okay, ressemble super. Le plus... Je peux t'appeler Karl, alors. Ce qui ressemble le plus à 40, hein. Karl, à 40, c'est pareil. Salut, Karl. Qu'est-ce que tu dis de cet endroit? On ne dirait pas comme ça, mais cet été, tu vas en faire le plus gros festival Horizon de tous les temps. On a une équipe d'enfer pour la logistique. Pour tout le reste, c'est toi qui gères. Tu dois choisir les courses qu'on fait, la musique qu'on joue et les pilotes qu'on engage. C'est ton festival. Justement. Bon, je sais qu'on vient juste d'arriver, mais la toute première épreuve commence dans quelques minutes et je t'ai réservé une place de choix. Moi, je pense qu'il y a le mien aussi de prénom, mais on dévoile pas les blas sur un stream, ma gueule. Tu affronteras cette Jeep au volant du buggy pour l'épreuve inaugurale. J'ai voulu démarrer par un adversaire modeste. Ça fera un bon échauffement. Quoi? J'ai dit modeste, par hasard. Non. C'est juste pour un tampon. Moi, j'ai un tampon dans la poche, je signe pas. Alors, vas-y, finir le premier contre la main. La même chose que tout à l'heure, putain, ça par contre je rembobine parce que sinon l'avion c'est pas possible. Encore un petit coup, ah bah non, pas de rembobinage, ok. Eh ben on a pas pu rembobiner, tant pis. Attends, ouais, attention aux arbres. Ça va être compliqué de se taper l'avion en gagnant, mais on va se tirer. On va se concentrer un peu plus.
pilote, on attend le largage. Ok, voilà la ligne d'arrivée. Dépose-moi. Pas les points de déposer mon gars. La fiesta ne pouvait pas mieux commencer. À ce rythme, on va bientôt devoir songer à étendre le site. Tu seras boss, en mode lit, peut-être. Cet élément. Mais ce n'était qu'un avant-goût de ce qui nous attend à Horizon Australie. Bah, nous, pas tout alors, suite. Qu'est-ce que t'en dis? On remet ça? Ça, c'était de la course, boss. Moi, c'est Warren, le tragédien automobile local. Je sais que t'as un festival à gérer et des courses à gagner, mais c'est moi qui gère le garage. Alors s'il te faut quoi que ce soit en rapport avec la voiture, je suis ton homme. Ah, dernière chose avant d'y aller. Kera dit que tu souhaiterais peut-être conduire la... Centenario? Centenario? Le festival commence à attirer un paquet de pilotes renommés. La plupart d'entre eux rêvent de se mesurer à toi sur la piste. Je te propose d'exaucer leurs souhaits. J'ai repéré un pilote qui a du potentiel. Trouve-le, bats-le en course, et on pourra engager son drive avatar dans la sélection du festival. Bonjour Carl. Votre itinéraire est défini vers la zone où vous trouverez le drive avatar. Ça, c'est une entrée en matière. Je connaissais les véhicules tout-terrain, mais j'ignorais que cette appellation regroupait aussi les véhicules tirés du sol par un hélicoptère. C'est notre nouveau boss en pleine action. N'oubliez pas de le saluer. Nous sommes prêts à admirer tes prouesses, boss. Fais monter l'adrénaline, je m'occupe de la musique. Chers auditeurs, restez sur Horizon Pulse et profitez des tubes. Là, je vais aller créer mon festival. Voilà, je vais y aller. Là, c'est ça, voilà. Je vais chercher la tour de Braille-Vata. À 400 mètres, tournez à gauche. Je sais pas si il va parler. Le voilà! Défie-le en face à face! Eh, 10 phares, Garigi. Attends, je suis gagné. Aujourd'hui, je sais pas ce qu'il faut. Au rond-point, prenez la deuxième sortie. Deuxième sortie. À 400 mètres, déportez-vous sur la droite. Restez à droite. Deux pilules dans la à 400 journée. Mètres, déportez-vous sur la gauche. Restez à gauche. Ah ouais. Super, bon travail. Il est temps de l'engager dans ta sélection. Ah, mais t'as fait pour être recruté. Est-ce que vous voulez recruter 10 phares? Non. Plus les pilotes qui rejoignent ta sélection sont bons, allez, plus Gamedi. Ils attirent de fans c'est sur le festival. Je te tiens au courant dès que je repère une recrue potentielle pour ta sélection. C'est gentil, Keira. À 100 mètres, tournez à droite. À 200 mètres, restez à gauche. Restez à gauche. Je pense pas que je vais l'abîmer, ma petite voiture sur la plage comme ça, là. On va nettoyer le tout. Ah.
déjà présenter les quatre et après je verrai ce que je vais prendre. Déjà pas la Ford vu que j'ai pris tout à l'heure, histoire de sentir de nouvelles sensations, t'as vu. La BM j'ai pas envie, donc du coup boss, je prends mon Iris. Pour attirer les fans et dénicher des pilotes, il va falloir participer à des courses. Mais pour ça, il te faut une caisse. Big Mexican Woman, mon gars. Non, mais BM, rien à voir. On voit un paquet de voitures japonaises par ici. Que tu vois déjà partout dans la vie réelle. Alors, ouais. Ah ouais, ouais. Ça te dit une plaque personnalisée? De quoi refléter ta personnalité en 8 caractères. Ou moins. Ouais, non, c'est bon. On va laisser Horizon pour la démo. On va éviter de mettre 40 ou autre chose. Ah, mais t'as kangourou jaune, hein. On a personnalisé. Belle petite caisse, quand même. Hein. Ma préférence reste pour la Ford, mais celle-ci doit être sympa. Ce festival Horizon va être énorme. Ce sera du jamais vu. Il faudra qu'on étende le site du festival. Mais pour ça, il nous faudra des fans. Et pour attirer les fans, tu devras donner de ta personne en participant à des courses et des coups de pub. Les éclaireurs du festival se sont donné beaucoup de mal pour cartographier les points d'intérêt avec ces marqueurs. Définis un itinéraire vers un marqueur et va découvrir de quoi il s'agit. Je bosse dur pour faire venir un tas d'artistes et de labels, mais c'est toi qui vois, boss. Le choix t'appartient. Va pour Bass Arena, je m'occupe du contrat. Ensuite, je signe le contrat avec Horizon Block Party tout de suite. Allez. On va kiffer sur le passe à rien, les mecs. Je vais monter dessus dans les oreilles, c'est parti. Tous les ingrédients sont réunis pour faire la course ici. Rejoins le marqueur pour commencer. Bon, les gens veulent te voir courir. Alors je te propose de commencer par une course d'exhibition. Vas-y, on va faire de l'exhibition. Pas de soucis. Préparez-vous, car on lance le striptease. Allez. On est type pas. Non.
crois que c'est l'Australie. En même temps que les kangourous, je crois que je suis pas trop bourré. Ah, sans doute, il y a moyen. Hein. J'ai la première place. La première épreuve. J'aimerais plus que bien joué, boss. Belle victoire. J'espère qu'elle en appellera plein d'autres. C'est pour ça que je m'occupe de l'organisation et toi du pilotage. Bonjour Carl, je suis votre assistante de navigation naturelle autonome. Vous pouvez m'appeler Anna. L'équipe technique d'Horizon m'a améliorée lorsque nous étions à Cambridge. Je vais vous recommander des activités et vous guider à travers l'Australie. Voulez-vous que je calcule un itinéraire vers la prochaine activité maintenant ? Oui, s'il te plaît. Super, j'ai calculé votre itinéraire. Si vous avez encore besoin de moi, dites simplement Anna. Tournez à gauche. À 400 mètres, tournez à droite. Ouais. Tournez à droite. Tournez à droite. Voilà un panneau danger. Il annonce une zone à risque que nos éclaireurs ont repérée et délimitée pour ta sécurité. Ou pour trouver plus facilement les meilleurs endroits où réaliser des cascades de malades. À toi de voir. Vous avez atteint votre destination. Toujours en vie, boss ? Génial, ils ont adoré. Je vais demander à nos éclaireurs d'en trouver d'autres. En attendant, je dois appeler notre compagnie d'assurance. Ça va chauffer. Salut Carl! Il s'agit d'une course sur circuit. Une piste tout en asphalte, un nombre de tours défini. C'est simple, non? C'est pas folichon sur le stream, hein, c'est dommage. Ah, c'est ça. C'est exactement ça. Et je voulais que ce soit présent quand même dans les vidéos. Au revoir, tu vois. Les fans adorent les exhibitions et les prouesses à la chaîne. Ils ne veulent pas juste te voir gagner, ils veulent aussi te voir le faire avec style. Ah, 24 heures sur quoi ?
hein. Il est toujours, c'est pour ça qu'il s'appelle MKZ. Je suis un Bignou. Eh ben, bienvenue à toi, je suis un Bignou. Ça fait plus exactement ici. On essaie de poncer la démo en deux secondes pour arriver au mode libre et puis montrer du spectacle. Avec les photos, quoi. C'est vrai qu'elle est propre, hein, Wilson. J'ai toujours su qu'elle était pour toi, celle-ci, boss. Oh, le stream, il se passe bien, leader. La qualité, elle est quand même propre, ou... J'espère que tu passeras un bon moment avec nous, je suis à Bignou. Là, à mon avis, je crois qu'elle va m'envoyer vers l'épreuve Drift, tu sais. Et je me fais chier sur l'épreuve. Vous gagnerez des fans en terminant des coups de pub. J'ai calculé votre itinéraire jusqu'au coup de pub le plus proche. À 400 mètres, tournez à droite. On va pas tourner à droite, c'est pas là. Calcul de l'itinéraire. À 200 mètres, tournez à droite. Tournez à droite. On est dans Horizon, les mecs. On n'est pas là pour faire du circuit, on est d'accord. À travers champ, mon gars. Dans l'eau et tout. Pas de limite de quelques. À 400 mètres, tournez à gauche. Voilà ce qu'on appelle les zones de drift. Joue du volant et du frein à main pour drifter le plus longtemps possible entre les drapeaux. Oh, vous faites de la gueule du monde. Toi, est-ce que pour reprendre de la vitesse pour commencer le drift avec un peu de vitesse et je prends une sieste dans le joueur. Ouais, je sais, ça m'est arrivé tout à l'heure. Vous avez atteint votre destination. Qu'est-ce que tu en dis ? Pas mal, hein ? C'est moi qui ai eu l'idée. Les fans ne viennent pas à Horizon pour voir des bagnoles rivées au sol. Plus c'est gros, mieux c'est. Essaie d'ajouter une deuxième étoile à ce coup de pub. Vous gagnerez des fans en terminant des défis collector. J'ai calculé votre itinéraire jusqu'au défi collector actif le plus proche. À 100 mètres, tournez à gauche. Nouveau calcul de l'itinéraire. Ah, je prends une bague. À 400 mètres, tournez à gauche. Bah, j'ai pas essayé une bague encore, donc... Vous avez atteint votre destination.
Salut, Carl. Les défis Collector Horizon, c'est l'occasion de se poser des questions existentielles. Si c'était ton dernier jour sur Terre, imagine quelle voiture tu choisirais et ce que tu ferais avec. Bien, alors prends cette caisse et fais-le. Pas la peine de me remercier. À la motonnette du Père Louis. Sur le travers, c'est bon. C'est temps de nous foutre le boulot. Voilà, c'est passé. Faire un peu plus noble que d'habitude, histoire que pour puisse faire des choses sympas, tu vois. Parce que mine de rien, quand tu prends un risque, tu passes, c'est tellement plus beau que c'est bien sur la route, tu sais. S'étendre hors de Byron Bay. Les fans débarquent de partout. Ils traversent même l'océan pour rejoindre Horizon. Là, si seulement sur Twitch, ça pouvait aller si vite que sur Horizon pour faire un festival, je te le dis. Tu fais une course, t'as 7000 personnes qui te like. Avoir besoin de ton avis. J'ai indiqué plusieurs sites potentiels sur ta carte. Surfer Paradise, des gratte-ciels, des passages étroits, des courses de rue acharnées. Et je ne te parle pas des vagues. Ou l'outback, du sable rouge, du ciel bleu, des pistes tout-terrain d'enfer et des serpents qui n'hésiteront pas à te tuer si tu ralentis ne serait-ce qu'une seconde. Pour aller avec le téléphone, ma gueule. Bon, moi, je suis prêt à appuyer sur Outback. 3, 2, 1, go! Tu peux venir admirer notre nouveau site du festival quand tu veux. Mais rien ne presse, on est en Australie. L'Outback n'ira nulle part. Vas-tu nous rejoindre cet été pour étendre ton festival à travers l'Australie? Il y a la cinématique, et après on se retrouve en mode libre. Avec le couteau leader. Horizon en ligne, terminé en tête ne fait pas tout.
En pilotant proprement, avec style et en nous en mettant plein les yeux, tu peux gagner autant d'XP que le type de devant. Trois façons de jouer s'offrent à toi. En aventure en ligne, on te propose un tas d'épreuves géniales à travers tout le pays. Tes amis et toi, vous plongez directement au cœur de l'action. Tout ce que vous avez à faire, c'est piloter. La balade libre en ligne te permet de choisir ta propre aventure. On vous lâche, toi et tes potes, sur cet immense territoire sauvage. Sors tes voitures du garage, participe à des épreuves, relève des défis collector, ou contente-toi d'une virée jusqu'au coucher du soleil. Et maintenant, pour la première fois, tu peux jouer à la campagne d'Horizon en coop. Avec tes potes, faites d'Horizon Australie le plus grand festival Horizon de tous les temps. Ah, c'est ça, et tout ce que tu fais en coop te permet de progresser dans la campagne solo. Alors n'hésite pas. Là, je suis en recherche de... Écoutez Scott Tyler sur Bass Arena, j'ai une grosse info à partager. Une info, mais une rumeur. C'est comme une info, non? Bon. Il paraît qu'Horizon manque de space et lorgne sur l'Outback Australien pour le nouveau site du festival. Et si l'Outback Australien regorge de quelque chose, c'est bien avec d'espace. Qui alors, tendez bien l'oreille, ne changez pas de station et je vous tiens au courant dès que cette info devient officielle, ici, sur Bass Arena. T'as pas de Mike Game? Joueur dans la station Y, m'inviter, tu me prends et c'est parti. Ouais, joueur de, dans la session, tu fais Y et tu me prends dans l'Italie. Ouais. Dans la nuit, toi, en plus. J'ai un à 400 point à 6 mètres, km. Déportez-vous sur la droite. Non, 6 km 2. Vas-y, je t'attends. On sera peut-être sur la même route, on sait jamais. Non, c'est bon, t'arrives vers moi là. Tu viens de passer devant moi. Tu viens de passer devant moi, là, c'est bon. Ah, oui, 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 oui. Horizon Bass Arena. Ici Scott Tyler sur Bass Arena, toujours un bloc pour vous, Horizon. Mon pote. Et j'ai une petite devinette avant notre prochaine grosse épreuve de rassemblement. Qu'est-ce qu'il y a? 12 cylindres, un moteur de 8 litres 2, une carrosserie en carbone. Et qui marche sur l'eau. Vous donnez votre langue au chat, ramenez-vous illico, ça va vous couper le souffle. Exactement belle, comme ce morceau. Ah oui, je suis à fond, mais c'est normal. J'ai attendu et j'ai demandé dans la côte, alors t'inquiète, ça va revenir. T'es à fond toi là? Ah! Genre limite, s'il y avait Gorby, Gérali et Meur, on aurait pu prendre la même pièce. Ouais, c'est énorme. Thank you.
Ah, c'est un caillou. C'est un accident, quelqu'un. Attends, je vais nous trouver une destination sympa. Ah, on peut pas aller jusqu'à Outback en fait. On peut pas aller jusqu'à Outback. La carte elle s'arrête à un moment. Kodak. Voilà, on va suivre ce tracé là, il a l'air rigolo. Tu le vois pas sur la... sur la carte? Ah ouais, ok, c'est Y qui tient l'heure de route. Non, il n'y a pas de course, c'est que de la balade, mon pote. Et arrivé à la balade, tu peux venir essayer de chercher une porte. J'espère que tu as fait exprès. Ces panneaux bonus se sont cachés aux quatre coins d'Horizon Australie. Les détruire te rapportent une récompense. En l'occurrence, une remise sur le voyage instantané. Il accélère. J'espère que tu as fait exprès. Ces panneaux bonus se sont cachés aux quatre coins d'Horizon Australie. Ce panneau bonus t'a rapporté un bonus d'XP. Ça valait bien quelques égratignures. Et la caisse. À 200 mètres, restez à droite. Restez à droite. À 400 mètres, tournez à droite. Arrivé à la fin, non. Non. C'est moi qui ai des vues avant, vues arrière. Allez, on est parti. Oh, c'est lui qu'on doit foutre en l'air, pas moi. Hein. À 400 mètres, tournez à gauche. Salut, vous connaissez la musique, je suis Scott Tyler. Vous êtes sur Bass Arena et vous avez intérêt à rappliquer sur le site du Festival Horizon Outback. Avec cette nouvelle extension, 3, il s'agit 2, officiellement 1. De la fiesta la plus chaude, la plus plate, la plus rapide et la plus bruyante de l'histoire d'Horizon. Qui voudrait manquer ça? Je vous balance ce morceau et vous balancez la sauce. Allez, on vous attend. On fait quoi? On emprunte la véhicule du leader, non? Ah bah ok, super, il n'y a qu'une seule véhicule, qu'un seul véhicule quand même. Bon, en fait c'est la même caisse. Hein. Ready?
mais bon, on fait exactement la même chose. Ils ont les mêmes caisses que nous. Ils ont des Nissan. C'est quand même propre, de toute façon la première fois que je fais la démo, je me donnais plus l'envie, c'était acheter le jeu. Non ! J'ai eu le checkpoint. J'ai voulu le couper. Ouais, j'ai l'impression que c'est des bots. Je sais pas où. Ah ouais, exact. Ah, c'est une erreur de pilotage, tu loupes pas, hein, c'est juste derrière. Ouais, carrément. Oh, mais t'es bien là-bas. On est pas loin de toi, j'ai tout tout à l'heure. Hein. Tu m'as mis 5 secondes. Ouais, carrément. Elle a un peu la V8. Oh ben, je te l'ai dit. Faites demi-tour dès que possible. Oui, oui, on est dans une mission, c'est bien, on va se faire. À 200 mètres, tournez à gauche. Tu as raison, on joue à division. Tournez à gauche. On est dans le... À 400 mètres, tournez à gauche. Division, on va chercher le point d'extraction. On va comprendre l'extraction, mais c'est pas un point d'extraction, c'est un point d'extraction. Tournez à gauche. À 100 mètres, tournez à droite. Nouveau calcul de l'itinéraire. À 100 mètres, tournez à gauche. À 200 mètres, tournez à droite. Salut, salut, ici Scott Tyler. Grande nouvelle, Byron Bay a fait son entrée sur la carte. Ouais, j'ai rendu ailleurs.
Chalkin, sinon comment les pilotes ont pu se ramener ici? Enfin bref, ce que je veux dire, c'est que c'est... Le site s'est étendu, c'est gigantesque, c'est génial. Et alors si vous êtes pas encore là, qu'est-ce que vous attendez quoi pour venir? Mais viens maintenant! À 400 mètres, tournez à droite. Tournez à droite. Eh, je suis Forza Horizon, je suis pas pour la pharmacie. Faites demi-tour dès que possible. Ouais, j'ai vu. Nouveau calcul de l'itinéraire. Ouais, parce qu'on a un nouveau calcul d'itinéraire, du coup. À 400 mètres, tournez à droite. 3 km. T'as combien, toi? Non, 2 km. Démois les langues. Faites demi-tour dès que possible. Du coup, comme mon téléphone va donner, quand je vais faire le jeu, je vais l'avoir direct, non? Non, non, c'est une démo. Bah, l'année dernière, quand j'avais téléchargé le. Quoi? Je pense que le jeu en lui-même. Il va être beaucoup plus gourmand que je sais pas, l'année dernière, j'avais déjà fait la démo, j'ai eu la démo. Ah non, c'était les Altos, mais j'avais eu des plans de voiture. Ça va, sauf que c'est 15h. Ah ouais? Ouais. C'est passé à 15h, le test. Ah ouais? Enfin, mais ils ont estimé que 10h, tu vois, il y a un jeu. Au rond-point, prenez la deuxième sortie. Ouais, mais pour un jeu comme à 400 mètres, déportez-vous sur la droite. Restez à droite. À 400 mètres, déportez-vous sur la droite. Ah, t'es où, toi? Restez à droite. À 400 là, on mètres, pas que 4, déportez-vous hein. Sur la droite. Là, il y avait du monde, mon gars. C'était au petit bagnole. Restez à droite. GTA, avec les courses à trappe, tu peux avoir du monde avec ça. Ah ouais. Déjà, ouais. Et c'est le gros tu verras, tu vas avoir besoin. Bon les gars. Bon matin. Et une nouvelle destination. Gros. À 400 mètres, déportez-vous sur la gauche. Ouais, bon, la route. Restez à gauche. À 200 mètres, restez à droite. Restez à droite.
à 200 mètres, vous arriverez à destination. Ça l'a fait. Elle me fait des vrais tracés, lui. Ah, c'est une épreuve. Faites demi-tour dès que possible. Ça se voit pas, non? C'est bon, je te rejoins, mec. Alors, Mata, t'en es où, là, de la démo? Il a bugué le jeu. Buggy. C'est comment je suis? On va me donner un buggy. Pas pour que je m'amuse à passer dans les vrais chemins. Pas vraiment où c'est pris, mais... Je sais que j'avance plutôt pas mal. Je vais me faire le plongeon. Ouais, chouette, c'est par où toi? C'est une petite avance comparément, non? Je t'ai passé sur le pont. Je t'ai passé sous le pont, on dit pas. Va pas trop vite, hein? C'est quand même plus cool de couper que... Vas-y, chou bleu. Putain, les cailloux, ils me cassent les couilles. Tout le bordel. Ah oui, Pascal. C'est quoi? Ah ouais, d'accord. C'est marqué que c'est 46. On s'en fait une petite course, puis après moi je vais dégager ailleurs. Rainbow, mais il y a une team qui essaie de me recruter, donc théoriquement il n'y a que ma place quoi. Ah, tu veux jouer avec une team après, Cara?
Ouais, avec la STZ. Un peu, c'est grave cool, je viens de marquer, j'ai pu enlever mon maillot avec Neymar. Ça fait grave stylé. Faites demi-tour, dès que possible. À 100 mètres, tournez à gauche. Vas-y, je suis parti dans une épreuve. Oh. Alors là, mon gars... La musique... Attends. Survitaminé. Comment tu fais? Passé. Non. Et je peux même pas quitter moi. Ah putain, en plus j'ai refait la même course que toi. Sur moi j'ai fait un crash de malade et moi plutôt que prendre le gros virage à droite j'ai tracé tout droit mon gars. Pété. Bon bah on va finir là-dessus les gars. Je vous remercie d'avoir suivi Forza Horizon 3 sur Xbox One Exclusive. Ce fut un plaisir de vous montrer le jeu. Je vais maintenant passer à Rainbow Six. J'espère que vous serez là. A ciao ciao.